Sup l'équipe, c'est Braille Casa 26620. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft mobile. Donc, je préfère vous faire un rec là-dessus que sur la PS5, parce que sur la PS5, je peux faire des montages seulement jusqu'à 15 minutes. Donc, on se retrouve sur une map où prochainement il y aura des tutos, parce que si je commence à utiliser World Edit, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, parce que c'est avec les commandes, avec les positions. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais juste vous expliquer comment utiliser justement ces données correctement. Surtout pour aplanir une zone comme ceci, mais également pour changer un sol comme ceci, admettons, tac, tac, tac. Là, je vous fais comme ça, mais après, vous faites absolument comme vous souhaitez. Tac, là, je vais vous faire un rectangle. Je pense que vous savez à peu près déjà faire, mais je vous le remontre assez rapidement. Bon, ça, comme vous en doutez, on s'en fout. On va remettre comme ça pour que vous voyez mieux. Donc, ici, les positions, ça marche comme ceci. Si vous voulez changer la couche d'air, il faut vous mettre au niveau de la couche d'air. Vous voyez, le niveau de la couche, c'est le 62. Vous voyez, 62, 63, 62, 63, 62, 63. Et donc, il faut le faire en diagonale. Vous voyez, toujours la couche 62. Donc, pour changer, je vous conseille de prendre une feuille à côté de vous, marquer, donc bien marquer le moins 217, 62, donc pas mettre les virgules, 62, 135, pour moi, hein, pour vous ça sera une autre. Ensuite, vous faites la diagonale, ça fait donc du coup du moins 209, sans la virgule, je répète. 62 144. Donc ensuite vous affichez ceci, vous affichez le chat, je voulais dire. Donc vous faites slash fill espace, vous mettez moins, donc pour moi 217 espace sans la virgule bien sûr, 62 espace 135, ensuite espace, vous mettez votre deuxième coordonnée, moins 209 espace toujours sans la virgule, 62 144 espace. Et je vous dis une connerie, le truc c'est que si je marque pierre, à mon avis c'est rock. Bon, on va mettre bedrock. Non, je me suis loupé dans ma commande. C'est pas grave. Vous recommencez. Slash. Fill. Slash fill. Moins 217. Espace 62. Espace 135. Espace moins 209. 209, 62, 144 espace. On va faire avec des planches du coup, parce que il n'y a que ça que je sais. Planks, voilà. Ensuite vous faites suivant, tac, et donc voilà, comme vous pouvez le voir,
Tac, nous avons changé notre sol. Donc voilà, ceci c'est juste pour changer. Donc c'est juste pour changer votre sol, comme vous pouvez le voir. Donc maintenant, je vais vous montrer comment changer, aplanir une zone sur différentes hauteurs. Comme vous voyez là, il y a les arbres, il y a tout ça. Et tout ça, si vous enlevez que la couche du terrain, les arbres vont rester en hauteur, si vous voyez ce que je veux dire. Donc maintenant, ça va être un peu plus compliqué. On va attaquer à peu près, parce que là, c'est difficile de se repérer. Donc là, je vais vous montrer la zone que je vais aplanir d'ici. Admettons, je vais enlever de d'ici là à... on va mettre à ici, au-dessus des arbres ici là. Donc vous prenez pareil la diagonale d'ici à là-bas. Donc voilà. Donc là je vais vous montrer. Là il faut vous mettre à la profondeur que vous voulez. Donc c'est-à-dire au niveau d'ici là. Même on va faire même mieux. Là on est à 63, donc on va se mettre à 62. Parce que après, du coup, il va falloir qu'on fasse la manipulation deux fois. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Parce que là, vous voyez, c'est du sable ou de la pierre. Vous allez tomber. Donc, vous, nous, ce qu'on veut, c'est de l'herbe. Donc, vous mettez à moins 278. Donc, moins 278. Sans la virgule, toujours. Donc, toujours à 62. 163. Hop. Ensuite, là, maintenant qu'on a pris cette cote-là, il faut bien enregistrer le 62. On monte. Tac, on a dit jusqu'à par là, donc la diagonale jusqu'ici, on va se mettre donc au dessus des arbres, donc on est à 77, donc moins 260, 77, 199. Il faut savoir une chose, c'est que il faut pas prendre, être trop gourmand, sinon le jeu ne va pas vous laisser le faire parce qu'il y aura trop de blocs à placer. Maintenant, nous réouvrons le chat. Vous voyez, 90 blocs placés. Donc maintenant, on va faire pareil, la même manipulation que tout à l'heure. Slash, non, sans espace. Slash, fil, espace, moins 278, 62, 163. 3, 260, là je me suis gouré, moins 260, 77, 199, espace, R et là suivant. Donc voilà, ensuite il faut refaire la même manipulation mais cette fois à cette profondeur là, donc comme vous pouvez le voir, donc moins 260, 62, 199. Il y a juste, comme vous pouvez le voir, donc il y a juste cette cote qui change, comme vous pouvez le voir. Donc ici, tac, tac, on prend la même cote, mais par contre on la change par 60, on la change pas celle-là. On la change pas, donc c'était, on a dit, donc slash, pareil, hein. Je vais pas vous la redire à chaque fois. Moins 278, 62, 163. Ensuite, on a dit moins 260, 62.
199. Et là, cette fois, il faut savoir que c'est en anglais, grasses, avec deux S comme ça. Suivant. Et voilà. Le tour est joué. Comme vous pouvez le voir, on a aplani notre zone. Il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien. Et voilà. Donc, si vous voulez plus de vidéos dans ce style, n'hésitez pas à commenter, à partager. Et moi, je vous souhaite à une fois prochaine. Allez, ciao, bye bye.